Première vidéo avec le nouveau fond. Ouh, je suis ébloui. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une abonnée choisie, enfin une ou un abonné choisi mon make-up. Oui, ça faisait longtemps. Vous m'avez beaucoup demandé quand est-ce que j'allais refaire cette vidéo, et ben en voici une. Je vais essayer de les reprendre un peu plus régulièrement. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de contenu un peu différent ces derniers temps, donc on va reprendre nos bonnes vieilles habitudes très vite. Donc je m'installe, hein, attendez. Je vous mets comme d'habitude le formulaire à remplir en barre d'infos. J'ai juste supprimé blush et highlighter parce que voilà, comme ça je fais mon teint et on n'en parle plus. Le principal, c'est les yeux et la bouche. Donc, ici, le pseudo, c'est Angela Caponio. Si je le dis bien. Coucou, Angela. Forme du make-up, graphique, palette aux couleurs, la Carnival 3, que j'ai préparée juste ici. Coin interne, very clair. Ok. Liner, double liner noir et pailleté argent, creux liner blanc, muqueuse blanc, des fossiles dramatiques, lèvres nude et glossy et pas d'autres précisions. Donc je me rapproche et on attaque. Voilà, et quand je suis en zoom, eh bien c'est plus clair et ça fera plus le focus sur mon fond. Voilà, et pour les réels, ça sera aussi plus chouette et plus épuré. N'est-ce pas? Bref. Alors, j'ai préparé ce qu'il me faut. Et oui, parfois je fais bien mon boulot. Donc, forme graphique, enfin make-up graphique. Alors, en quelle couleur je vais partir? Je viens de cogner le téléphone, hein, pardon. Noir et argenté, donc on va peut-être éviter les verts. Bon, je crois que je vais faire un make-up assez soft, enfin nude, dans les teintes marronnées. Ouais. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Donc, bah écoutez, on va y aller tout fouette. Tout fouette, tout fouette. Je prends un pinceau biseauté pour faire ma forme externe. Et je vais commencer avec le pécan. Ici, qui est le marron le plus foncé de la palette. Et je vais donc faire une forme externe bah, graphique. puisque c'est le but. Ah, il fait quand même un peu rougeâtre. Bon, ça ira très bien. Alors, je fais du graphique, mais pas du graphique hyper dessiné. Vous voyez ce que je veux dire? Non, vous voyez pas. Un petit peu estompé quand même. Bon, après l'argenté, ça va à peu près avec tout. Donc, on devrait quand même s'en sortir. On va voir avec les autres teintes. Donc je blende, mais vraiment délicatement, l'extérieur de ma forme. Et bien sûr le creux, enfin la paupière. Voilà pour la forme de... Ça fait bizarre, on dirait que je louche. Pour la forme de départ. Donc je prends un pinceau pour le ras de cils et je garde la même teinte. Et je vais faire une bascule externe. Donc je fais d'abord mon ras de cils, la partie externe aussi. Et j'étire. En bascule externe. Je prends un pinceau plat et à côté je vais mettre mon... Bon, je vais mettre le cinnamon qui est juste à côté. Bon, je vais pas trop m'embêter. Je laisse la place pour une teinte lumineuse sur la partie interne. Et je blende les deux teintes. Du coup, le nude, on repassera. Donc là, je fais mon ras de cils et je continue de dégrader ma bascule avec la même teinte. Donc je reprends la première teinte pour bien blender ma transition. Et ici. Alors, ensuite, je vais garder mon pinceau plat qu'on va essuyer. Ah, quoique non, je vais prendre un plus précis. Attendez. Je suis quand même mon pinceau parce que je vais très certainement encore m'en servir. Donc je prends un tout petit langue de chat et je vais mettre. Je vais mettre le pin-up. Qui est ici.
en partie interne de mon de ma paupière. Je trouvais plus mon nom. Mon mot. Et du coup, je l'étire vers le centre. Bon, c'est un peu du ton sur ton. Pareil en racine. Bon, au départ, je pensais être dans du marron. Hein, voilà, du make-up nude marronné. Ben non. J'espère que ça ira avec le liner argenté. Alors, en coin interne, je vais mettre le Dister. Oyster. Ouais, Oyster, je crois que c'est. Donc, je vais le mettre en coin interne et je vais également revenir sur l'autre qu'on a mis juste avant parce que je ne le trouve pas assez lumineux. Bon, du coup, le coin interne n'est pas very clair. Il est joli. Voilà. Bon, pour les fards, on est bon. Alors, je vais déjà mettre mon crayon noir en muqueuse supérieure, comme ça, ça a le temps de transférer. Et on va passer au liner. Alors, je vais prendre le... Qu'est-ce que tu fous là, toi? Tu peux la bonne place. Je vais prendre le mat de chez LA Girl. Attendez, je range un peu mon petit bordel. Alors, je sais pas, je vais encore être mal cadré. Je vais faire ce que je peux. Alors, je vais déjà faire un trait de liner classique. Je sais pas si vous me voyez. Et vous allez m'entendre différemment, le téléphone est plus proche. Hein. Ok. Ah, oh, faut que j'arrête de dire ok. Je fais ma bascule ici. Alors, vu que j'ai failli faire tomber mon liner et que j'ai dû fermer, enfin ouvrir mon œil grand, par surprise, je vais en mettre du coup bah, là où ça a fait des taches. Donc voilà pour le liner noir. Je vais passer au blanc. Donc là, je prends le Milk de Biston. Je vais achever mon creux et superposer un petit peu avec le noir. J'ai fait une bavure. Oui, donc il y a Lilou qui vient de me rejoindre. Rien de quoi de cochon. C'est pas moi. Alors, je vais peut-être remettre du blanc quand même ailleurs pour que ça fasse à peu près équilibré. Donc, je vais faire un plus petit trait ici en dessous. On bascule. Alors, je vais passer au liner argenté. Je prends le Kiko qui est le 02. C'est le seul que j'ai de façon en argenté. Alors, je vais commencer par faire un double liner, mais juste au-dessus de l'autre, enfin la moitié de l'autre. Du noir, quoi. Après, les paillettes, ça se verra un peu moins bien. Voilà. Deuxième couche de paillettes partout. Donc, je vais vous dire ce que je vais faire juste après, comme ça. Je vais vous remontrer ce que ça donne. Les fossiles, je vais mettre les chiglames comme ça, parce que plus dramatique que ça, tumeur. En muqueuse, je vais mettre le blanc des créateurs de révolution, même que j'ai horreur de ça. Et sur les lèvres, je vais mettre le crayon toast de chez Beauty Bay et le gloss Pillow Talk de Charlotte Tilbury. Je fais ça, je viens vous remontrer ce que ça donne et on se retrouve juste après. Voilà le look final que Angela voulait. Enfin, j'espère, Angela, dis-moi en commentaire. En espérant que tu vois la vidéo, parce que ça doit faire très longtemps que tu as rempli le formulaire. Donc voilà, j'espère que tu suivras cette vidéo et j'épinglerai ton commentaire pour que tu dises si c'est ce que tu avais à peu près en tête. Voilà, les autres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est d'après les indications que j'ai eues, si... probablement ça. J'aime bien, en tout cas. Bon, je voulais partir dans du nude marronné. On est, pour moi, dans du nude, mais du nude rougé. Bordeauté. Je ne sais pas trop. Bref. En tout cas, j'aime beaucoup
Voilà, du coup j'ai joué un peu avec les trois liners. Et c'est sympa. Voilà, bref. Donc n'hésitez pas à remplir le formulaire si jamais vous voulez participer. Moi je fais un tirage au sort. En fait, dans les formulaires, ils sont numérotés. Donc je fais tirage au sort par rapport au nombre de formulaires que j'ai. Et j'utilise celui qui tire au sort. Voilà, tout simplement. Et on n'oublie pas aussi de s'abonner si ce n'est pas encore fait, de laisser un petit pouce en l'air pour me faire plaisir et m'encourager, d'activer la petite cloche pour pas rater les prochaines vidéos aussi. Voilà, donc en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis bisous bisous!